Pour nouvelles aventures. Donc là, je suis parti de la bombe de Sisteron, du pont de la bombe de Sisteron. Je pars 2 jours donc, et je vais aller en direction de Talar, quoi. Enfin, du moins en 2 jours, j'arriverai pas jusqu'à Talar, ça c'est sûr. J'ai 40 km vu la forêt vierge, etc. Allez, Oli, elle est où, Oli? Oli qui m'accompagne. Déjà toute mouillée, fait des trous. Voilà. Et bivouac dehors. Bon, à tout à l'heure. Passe là. Ah, je vais avoir une difficulté là. Maison perchée. Je crois qu'il va falloir que je monte sur le plateau. Pas avoir le choix. Et l'autre, elle s'est pris une branche là-bas. Un peu aussi. Ah, la chaîne est passée sans souci. Sauf que moi, on va se mouiller les pieds, nom de Dieu. Bon, si je passe vite, je vais pas le temps de voir une chaussure qui se remplit d'eau.
Ouais. Là, t'as pas de soucis, là, quoi. Allez. Oh, attends. Oh, cette lutte. Hein. Allez. Bon, j'ai pas les pieds mouillés. Allez, on recommence là. La jungle. Ça, c'est de la... C'est du castor. Hein. Quand on voit la taille. Son arme là-bas. Hop. Par l'endurance, hein, Oli. Allez, continue. Encore une traversée. Bon, mon sac à dos, il fait 15 kilos. Par rapport à l'année dernière, qui en faisait 18. Mais bon, je pars que 2 jours, ce coup-là, je pars pas 3 jours. Ah, un petit sentier. Qu'est-ce que c'est agréable. C'est autoroute pour moi, là. Ah, là, c'est du plaisir. Quand on a une vue de perte, on essaie de tomber la pampa, et en fait, je suis pas monté sur le plateau, là-haut. J'ai suivi un peu dans les... dans les branches, dans les roseaux, dans les sagnes, dans les... Voilà. Oli qui prend du bonheur. Hein? Pas beau, là? Mais c'est relativement physique. Hein. Et là-bas, je crois qu'on retombe dans la jungle. Alors, soit je reprends maintenant, soit je reprends après. Je choisis de reprendre après. Les caillasses, là, pour l'instant, ça va bien. Là, c'est des petits cailloux. C'est pas les gros galets de la durance encore. Pas du tout où on est, ça approche du poète, mais ça c'est sûr. Allez, maintenant on rentre. Petit roseau, tout petit. Ça c'est bien ça pour allumer le feu. Mais là il n'est pas mûr. Ça fait plein de bourre quand c'est mûr. Allez, on rentre dans la pampa là. Bah, là, il va falloir forcer le passage. Ah, putain. Mon matelas qui est sur le sac à dos là. Là, je sais pas si on le voit là. Bah, à chaque fois il s'accroche quoi. Je vais finir l'embout, je vais dormir dans les feuilles ce soir. Putain, j'ai les arbres qui me tombent sur la tête. Merde. Ah, tiens, qu'est-ce que je vois là? Une jolie tour là. Alors que je regarde Iphigénie savoir où je suis parce que... Ah, est-ce que ça vaut le coup de reprendre le... Ah putain, j'ai le sac à dos qui passe pas. Ah.
Oh putain. Eh ben s'il arrive entier ce soir. Attends là, je suis. Joli ce petit pigeonnier là. Hein Oli? Super hein. Tiens, on va prendre ce sentier là. On va regarder sur Iphigénie si ça ne m'écarte pas. Ça me permet de. Toujours avec le soleil dans l'eau. Allez, toi tais-toi. Sacré peuplier, hein. On voit qu'il y a de l'eau là. Là-bas. Allez. Là, tu vas là. Hein? J'espère que tu vas pas me ramener des titres, toi. Hein? Trapeau rouge. Allez, on continue tranquille. C'est éviter les ronces parce que là à tout prix que je tombe dans un roncier là putain et c'est là que je veux aller. On voit le pied en avant, ça me casse la gueule. Mon Dieu. Passe dessus. Voilà. Eh ben. Tiens, oui. Ah, c'est plus sympa là. Marcher dans le sable. Là, je crois qu'il est tout d'un côté. Les ronces vont déplacer. Là. Là, je pense qu'on va être au niveau de la petite Santa Ana. Là, c'est les falaises. Je regarde, c'est pas le frelon asiatique, vous savez. Non, j'ai rien vu. Comme on peut voir, j'ai la gourde devant, la laisse de la chienne, des pastilles épuratrices pour pouvoir boire de l'eau du, de la Durance. Voilà. Allez, on continue. On va d'eau et de tout hein, sur le parcours. Des jolies ruchettes de fécondation.
bien que je tombe sur l'apiculteur. Très très beau. Oli, voilà. Allez. On va même voir la couleur de l'abeille, si c'est de la noire, si c'est de la buc. Numéro de reine 535. Il y a une buc, même une guêpe. Ce serait de la buc ça. Très beau. Bon, si vous le mettez pour passer là, on va passer plutôt par là. Ah, il y a quand même un peu d'eau. Ah non, ça doit être passé là-bas. Faire un petit crochet. De quitter les chaussures, les chaussettes, mettre les chaussures au dos. Ouais, il n'y a pas de problème pour traverser là. Didio. Voilà. Ça c'est le pont qui monte à Taverne, la route qui permet d'aller à Vaumeil, Thèse, etc. Alors nous, il nous faut passer dessous. Bon, au lit, il va falloir traverser le torrent du Sas. Et à ce coup-là, on n'a pas le choix. Hein. On va le prendre là où il est large. Soit je traverse pieds nus, ou soit je mets les chaussures d'eau. Je sais pas quel est le mieux. Hein. Une fois que je suis pieds nus, j'ai vite fait dégainer les chaussures d'eau. Hein. Bon, pas où je passe là. Oh. Ben, y a un buisson là. Putain, c'est pas vrai ça. Des buissons partout. Là. Peut-être le. Viens là. On va traverser là-bas. Enfin, je me trouve. Deux bâtons pour m'aider en guise de support là, pour l'équilibre. Pas le moment que je tombe à la flotte avec mon portable et tout ça. Là. Allez, c'est parti, on va se préparer pour traverser. Voilà, bon, bah, faut traverser le sas. On du sas. Pour aller là-bas en face. Ben, pour se faire, évidemment j'ai quitté les chaussures, hein, chaussettes. Tout ça pour mettre des chaussures, les chaussons efféminés, je sais pas si on les voit. Voilà. Allez, c'est parti. Alors c'est des chaussons. De flotte quoi, merde, putain, j'ai le pantalon qui est tombé là, mon dieu. Allez, faut départ. Allez, Oli, c'est bon, je suis prêt. Allez, alors c'est des chaussons d'eau
que j'avais acheté en Thaïlande, ça, dans les massifs des coraux. Alors, il est évident que je prends un bâton quand même, hein. Je n'ai pas le droit de me casser la gueule. J'ai quand même une batterie de secours, j'ai du matériel un peu électronique, quoi. Portable. Ah, t'as pas fait tant de chichi, toi. Hein. Et voilà. Bon. Allez, merci de bâton. Ah, celui-là, tu vas pas prendre. On y va? Oh putain, ça passe pas là. On va remonter là-haut. Putain. Bon, un peu perdu là. Quelque chose, des sapins de plantation. L'endurance elle est vers là-bas. Bon, encore un autre passage à étudier, quoi. Allez. Des fois, les marnes, c'est pas plus mal tant que c'est pas une falaise. Ok. Elles sont molles. Mieux que de marcher dans la végétation des fois. Hein. Là, je suis vraiment au milieu de nulle part. Hein. Ouais, parce qu'on voit bien que là, on ne peut pas passer. Putain, si ça finit par une falaise, je vais être obligé de faire demi-tour. Si je glisse, faut que je m'arrête. Tout pris. Bon, je suis obligé de rentrer le portable.
le chemin, soit c'est les roseaux, soit on poursuit là. Je suis à 3h30 de marche là. Je vais pas regarder les kilomètres que j'ai fait encore. On entend les avions, les remorqueurs, on n'est pas loin de Vomeil, on est juste en dessous. Voilà ce que je viens de passer, hein, les broussailles là. Les doigts en sang là. Bon bref, c'est pas grave. Allez, donc là, une falaise, toujours. J'espère bientôt la passer et bientôt arriver à marcher sur du plat, mon masque. Allez. C'est où, Oli? Là. Les traces d'animaux, là, de sangliers, de... C'est ce que j'emprunte depuis tout à l'heure. C'est ce qui me fait espérer, quoi. S'il y a un passage d'animaux, c'est qu'il y a un passage pour moi. À peu près. Corne de gâche. On devrait passer à côté de la ferme Colombo et après redescendre sur la Durance parce que j'ai dû la quitter un moment parce que franchement, même avec la hachette, je suis fait sacrément agresser par les ronces et tous ces trucs là quoi. J'ai un peu les bras. Voilà, donc on marche au plateau. On va redescendre là-bas. Et Oli, va, viens. Viens, notre chien. Tu vas pouvoir reboire et te baigner, hein? Là, c'est Vomeil, l'aérodrome. Des beaux nuages, des cirrus, un petit peu de l'onde. Voilà, donc là-bas on va, parce que là-dessous c'est la falaise, donc on va aller tout droit. Et après on va pouvoir descendre après la falaise, et là-bas je connais. Là c'est le Pouette avec l'ancienne usine du Pouette. Voilà. Je dois être à 13 km, quelque chose comme ça. Voilà, je viens de changer de rive de la Durance. J'ai pris la rive droite. Là, j'arrive à un autre rucher. Je vais aller voir un peu, je vais faire le curieux. Pas bien entretenu, hein.
fond pour... poser même le sol, c'est fou ça. Bientôt 8 heures de marche. À peu près 17 km. J'ai pas fait énorme. Pour 8 heures de marche, 17 km. Mais dans des conditions un peu pas mal difficiles. Ça sent le nitrate. Hein. Voilà mon bivouac. Feu pour le feu de camp. Prêt pour le feu de camp. Petit but à gaz pour faire cuire mon truc. Ça évite de salir mon car, tout compte fait. Voilà. J'ai fait à peu près 25 km. Il m'a fallu 8h30 pour faire que 25 km. Quoi. On traverse cette forêt dense là. La chaleur. Petit bisou de Oli. Qui est fatigué, mais elle a mangé ses croquettes, elle a pris un peu de force. Hein? Ouais. Voilà. Et tu veux jouer avec un bâton toujours, toi. T'as pas eu ta dose.
fait froid. Les couleurs ne sont pas du tout les mêmes qu'hier. Ouli, je cherche le bâton que j'ai envoyé. Peu de temps hier. Hein. Voilà. Bien sympa. Ouais. Alors, petite pochette pour tenir le portable. Sert de lampe ou quoi que ce soit, le matelas isolant, le duvet, voilà, bah, j'ai pas trop mal dormi, bon un peu en pointillé mais bon, voilà, donc là café, après des muesli, et de l'eau et après je replie et on y va. Voilà, c'est reparti, le campement a été là, il est 8h45, c'est reparti pour la dernière journée, il me reste encore 20-25 km quoi, et on laisse jamais aucune trace quoi. Voilà, voilà ma zone hein, où j'avais fait mon feu de camp, tout le truc, voilà, on laisse pas de traces. Comme quoi on est passé. Hein Ouli ? Allez, on y va ? Donc on repart dans cette direction et on tourne à droite au-dessus. Première difficulté de la journée, donc ça fait... Ça fait pas un quart d'heure, je suis parti, ça y est, on est dans les roseaux. Là. Alors les roseaux sont contre moi, sont couchés dans le sens du courant. Une véritable muraille à traverser. Ça n'a pas duré trop longtemps l'affaire. Au-dessus, j'ai une falaise. La droite. Voilà. Faire gaffe qu'il n'y ait pas un trou d'eau à des moments. Ah putain, j'ai des épines dans les chaussettes maintenant. Bien oublié. Ah, les chemins balisés, c'est quand même plus pratique. Hein. Bon, pour l'instant, ça va mieux. Oh mon dieu, et là, ça recommence. On va voir si on peut pas s'approcher de la Durance. C'est peut-être plus propre. Quoique là, ici, là. Ça s'améliore un peu. Enfin, ça s'améliore pas mal. C'est reparti pour un tour là. Coincé encore entre la falaise. Putain, ça, ça fait trangle ça. Donc il n'y a pas les ronces, ça va encore. Mais quand tu commences à y avoir les ronces, là. Comme dans le trou du cul. Là.
plus en plus étroit. J'accroche mon matelas, moi, évidemment. Putain. Là, ça marche mieux. Plus d'obstacles. Sauf que c'est ennuyeux. On voit plus la fin là.